être loin, mes pensées, et tu me connais. Dis-lui, tu peux naître de loin, mes pensées. Tu peux naître de loin, mes pensées, et tu me connais. Mais tu vas lui dire, tu sais quand je suis là, et quand je suis dehors. Tu sais quand je suis là, et quand je suis dehors. Tu sais quand je suis là, et quand je suis dehors. Oh, Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu me sens, et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Tu pénètes de loin mes pensées, tu me connais. Tu pénètes de loin mes pensées, et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Oh, maintenant pendant que je t'ai montré cela, quand le cœur sera en train de faire rouailler, que je vais te dire, chante, dis quelque chose à Dieu. Tu vas suivre ce que moi je suis en train de faire. Peut-être que tu ne chanteras pas comme moi parce que j'ai ma façon à moi, mais avec ces phrases-là, parle à Dieu dans le chant. Là, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit nous donner? C'est vrai que le Saint-Esprit a été répandu sur chacun d'entre vous, déjà par le baptême. Amen. Mais comme on a dit, le Saint-Esprit, c'est un seul fruit qu'il nous donne. Et peut-être que ton fruit, il y a des endroits de ton fruit qui ont été bouffés par des chenilles. Peut-être que la paix a été bouffée. Peut-être que la joie, la stabilité a été bouffée. Il y a des chenilles. Mais sinon, tu as le fruit. Mais tu as besoin que le feu du Saint-Esprit vienne boucher ces fruits. C'est tout. Alors, Seigneur, tu me sens et tu me vois dans le chant ensemble. Seigneur, tu me sens et tu me connais. Que Seigneur, tu me sens et tu me connais. Seigneur, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds, Père. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Maintenant chacun va parler à Dieu. Oh mon Seigneur.